Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Sonia, c'est le député du Nord, porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu. Beaucoup de questions concrètes au programme, avec notamment la colère qui monte sur le pouvoir d'achat et les prix des carburants. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir. La hausse des prix des carburants nourrit la colère des automobilistes. Le gouvernement martèle que cette hausse est motivée par la transition écologique et qu'il y a des mesures compensatoires. Vous ne les entendez pas, ces arguments ? Non mais on se moque du monde, le gouvernement se moque du monde. On nous raconte une fable, cette histoire de transition écologique, c'est juste une fable pour masquer la création d'une fiscalité indirecte. Le gouvernement est en train de créer un certain nombre d'impôts nouveaux, une fiscalité indirecte qui, si encore il bénéficiait à nos compatriotes, pourrait peut-être être acceptable, mais qui ne bénéficieront même pas à nos compatriotes et nous aurons probablement l'occasion d'en parler puisque beaucoup bénéficient à l'accueil de migrants supplémentaires chaque année sur notre sol. Il ne faut rien faire pour la transition écologique, si, rien sûr. Faire pour imaginer un modèle plus vertueux. Bien sûr que si. Par exemple, voyez-vous, l'État en France investit 100 millions d'euros sur un plan hydrogène. À côté de ça, la Chine en investit des milliards. Le plan hydrogène qui faisait partie des propositions de Marine Le Pen à l'élection présidentielle me semble être porteur d'avenir. Voilà ce qu'il faudrait faire. Voilà là où il faut aller inciter la recherche à se développer. Voilà là où il faut mettre de l'argent. Là, il y a un véritable modèle non polluant de transition. Mais ce n'est pas en taxant et en ratissant les Français matin, midi et soir, ceux qui conduisent, ceux qui se soignent, ceux qui sont en retraite, les plus jeunes, les plus modestes, que les Français pourront s'y retrouver. Il faut aussi reconnaître, car vous ne le dites pas, que cette hausse est due en grande partie à la conjoncture internationale et géopolitique, à la hausse des prix du baril. Ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Non, mais pas seulement, 60%. 60% ah, c'est du pas prix, mal quand même, du prix à la ponction des taxes de l'État. 40%, 60%. 40% non, aller dire à l'Arabie Saoudite que ça ne vous convient vous dire, pas un tel prix du baril. Dire, le problème, ils vont beaucoup le vous problème entendre. C'est que cette fiscalité, elle est la même pour tous, que vous soyez pauvre ou riche, vous payez le même prix de l'essence à la pompe. C'est en cela qu'elle est particulièrement injuste. Et c'est en cela que ce gouvernement est en train d'avancer sur une fiscalité indirecte, masquée. Un gouvernement qui assume, pas masqué. Édouard Philippe parle de courage, dit-il. Non, écoutez, c'est pas très responsable. Et surtout, ça enterre la promesse du pouvoir d'achat d'Emmanuel Macron. On a bien compris qu'avec Emmanuel Macron, les Français ne vivraient pas mieux ni aujourd'hui, ni demain. Les retraités ont été fortement impactés. Ils vont l'être encore avec la hausse des mutuelles. La réforme du reste à charge zéro. Aux promesses du candidat Macron qui risque donc de ne pas être indolore, mais précisant que les complémentaires santé prévoient, semble-t-il, d'augmenter leurs tarifs. C'était pas au programme, hein. Ça les concerne. Alors aussi. Nous on peut encore, le gouvernement dit qu'il peut bien encore sûr, discuter. Mais nous avions indiqué, dès que cette proposition d'Emmanuel Macron, à la fois démagogique et qui ressemble à un conte de fées, a été annoncée, nous avions indiqué que par ricochet, immédiatement, les mutuelles augmenteraient le niveau de leur cotisation. On le voit, c'est entre 7 et 10% selon si vous avez plus ou moins de 60 ans. Mais vous êtes d'accord que la réforme est bonne, va dans le bon sens, ça coûterait très cher aux retraités s'il n'y avait pas cette réforme. La réforme est hypocrite. En réalité, vous avez votre mutuelle qui va augmenter, donc ce que vous perdez d'un côté, vous allez le dépenser de l'autre. Donc il n'y a pas de gain de pouvoir d'achat. Je rappelle qu'Emmanuel Macron s'était engagé à ce que les Françaises et les Français aient un gain de pouvoir d'achat. Il n'y en a pas. On se moque des Français. Mais les Français commencent à s'en rendre compte. Comme c'est facile d'être dans l'opposition, de dénoncer, non. De critiquer sans proposer. Non. Nous avons proposé tout un schéma d'économie. On en a déjà parlé, que ce soit l'AME, que ce soit ce que nous coûtent les mineurs étrangers sur notre sol. C'est 3 milliards. Rien que ces deux opérations, c'est 3 milliards d'euros par an. Donc ce n'est pas juste des petits bouts de ficelle. Donc il y a des sources d'économie dans notre pays. L'IFI. Ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes structurels en France avec les étrangers, ce que vous proposez. Avoir supprimé par exemple l'impôt de solidarité sur la fortune pour le transformer en IFI, en un impôt foncier, c'est exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire, voyez-vous, exactement l'inverse. Eh bien nous avons fait ces propositions, elles ne sont évidemment jamais entendues par La République En Marche, et surtout moi je suis inquiet parce que je vois, et c'est assez inédit, que dans notre pays la consommation a reculé. Elle a reculé au dernier trimestre, moins 0,1%, et c'est assez inédit, c'est plutôt un mauvais signe. Autre actualité à Chalon-sur-Saône, l'arrêt des menus de substitution au porc dans les cantines a été invalidé par la justice. Rappelons que cette décision de ne plus servir de menu de substitution au porc avait été décidée par le maire LR de Chalon-sur-Saône. Le tribunal Sébastien Chenu estime que c'est une atteinte aux droits de l'enfant. Vous me faites commenter une décision de justice. Julien Sanchez, le maire de Beaucaire... Pas la première fois que ça vous arrive de commenter une décision de justice, je crois. Je m'y prête bon gré parce que je pense que le sujet en vaut la chandelle. Le maire de Beaucaire et les élus du Rassemblement National se sont opposés au menu de substitution. Pas pour être désagréable, simplement parce
parce que l'école est un endroit dans lequel le phénomène religieux ne doit pas entrer. Sinon, c'est la porte ouverte et c'est sans fin. La justice semble dire que c'est plutôt la liberté de choix, justement. La liberté de choix des mères, en l'occurrence. Mais moi, je crois que nous avons des piliers dans notre société. La laïcité en fait partie. Si on laisse entrer le phénomène de religieux dans nos écoles, alors c'est sans fin. Ce seront les piscines, ce seront les cours, c'est sans fin. Il faut être extrêmement ferme. Et c'est vrai que je regrette, je condamne et je pense que les maires ne se laisseront pas faire en ce qui concerne ces menus de substitution. Sur le plan judiciaire, justement, Marine Le Pen soutient Jean-Luc Mélenchon dans sa dénonciation d'une opération politique suite aux perquisitions dont il a fait l'objet. Le Pen-Mélenchon, même combat. Tout arrive, hein. Tout arrive. C'est pas même finalement. Combat. Peu quand même. Non, mais Jean-Luc Mélenchon dit ce que nous disons depuis longtemps. Il y a un certain nombre de médias qui vous rejoignez, oui, même arguments, même ligne pouvoir. De défense, même vision de bien la justice. Bien sûr, sur ça, sur le fond du problème, oui, beaucoup de médias, ce système est à la solde du pouvoir. Jean-Luc Mélenchon fait mine de s'en étonner. Ce système dont vous êtes parti, vous êtes assis rire. En face de moi, vous êtes faites partie de ce système. Ça faisait moins rire Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il tapait sur des casseroles pour se moquer d'un François Fillon ou d'une Marine Le Pen pendant les élections présidentielles. Quand ça vous concerne, ça vous fait moins rire. Et il a réagi avec une violence que nous condamnons. Mais en revanche, le problème reste entier. Moi, je pense qu'un parti politique ne peut pas être perquisitionné via une enquête préliminaire. Non, je Tiens pense donc. Que... Bah non, je vous pense seriez que... au-dessus non, des lois Non, je sur pense ce qu'un plan-là. Juge d'instruction devrait en décider. Je pense que les choses se passent d'une façon qui est tellement... Écoutez, ce déploiement de force de l'ordre pour perquisitionner un parti politique, On sincèrement... On ne va pas vous l'apprendre. Quand il y a justice, plusieurs perquisitions, il y a plusieurs enquêteurs, Cette justice, Sébastien ce spectacle, me met mal à l'aise et montre à quel point les oppositions sont passées au peloton d'exécution. Quand on remet ainsi en cause la justice, l'autorité de la justice et de la police, comment ensuite Attendez, pouvez encore venir donner des leçons sur les jeunes qui ne respectent rien et le délitement de notre société. Comment pouvez-vous je venir le dire Je ne remets pas en micro. Cause, je vous dis qu'il y a une consanguinité qui existe entre certains médias, entre certains magistrats qui se prennent pour des hommes et des femmes politiques et qui ont décidé de passer les oppositions au peloton d'exécution. C'est ça que je dénonce et c'est ça que Mélenchon dénonce aussi et c'est ça que finalement toutes celles et tous ceux qui sont dans l'opposition dénoncent parce que nous voyons la réalité en face. Quand vous êtes au MoDem et que vous avez l'affaire des assistants parlementaires sur le dos, rien ne se passe. Je répète vous avez ma question. Quel exemple donnez-vous aux plus jeunes en soutenant Jean-Luc Mélenchon qui vitupère et attaque tous azimuts vous donnez des leçons pour le respect de la phénomène justice de et de violence. La police. Nous condamnons tout phénomène de violence. Marine Le Pen s'est rendue chez les magistrats. Marine Le Pen a accepté de pouvoir discuter avec les magistrats. Mais nous condamnons tous les phénomènes de violence. Mais le problème de fond, nous le vivons tous. Lorsque nous sommes dans l'opposition, la démocratie, les droits d'opposition reculent sous Emmanuel Macron. La justice à géométrie variable. Pas du tout. La justice pour les puissants, on la voit. Le président de la République et ses alliés, visiblement pas de problème. Monsieur Macron a des problèmes de compte de campagne, je crois. On en parle quand Monsieur Colère, secrétaire général de l'Élysée, mouillé dans une affaire. On en parle quand certain nombre de ministres ont la justice aux trousses. On en parle quand En revanche, les opposants politiques, on les perquisitionne. On met un certain nombre de forces de police sur le terrain immédiatement pour cette justice spectacle. Ça, c'est pas acceptable. Mais vous êtes tous des justiciables comme les autres. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que Marine Le Pen s'est rendue chez les magistrats quand ils lui ont demandé. Merci Sébastien Chenu d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir. Merci à vous.